Mesdames et Messieurs les journalistes, bonsoir et bienvenue à ce que le presse que j'anime en fond lieu de parler du directeur général de la CNODC, la maison mère de Wako Bénin, en charge de la construction et l'exploitation du parc de l'espoir Niger Bénin. Mesdames et Messieurs, dans le cadre de ce projet, le Bénin et Niger ont signé un accord appelé accord bilatéral qui fixe les conditions générales qui présideront à la construction et à l'exploitation du pipeline sur les territoires du Niger et du Bénin. Selon les dispositions de l'article 3.1 de l'accord bilatéral, le droit de transit du pétrole brut en provenant du territoire nigérien sur le territoire béninois est octroyé à l'État du Niger et c'est en vertu de ce droit que tous les autres accords et instruments juridiques ont été mis en place. Conformément à l'esprit de l'accord, l'État du Niger et l'État du Bénin sont tous garants de la jouissance à travers le système de transport du droit de transit octroyé à l'État du Niger par les distributeurs de pétrole brut en provenance du Niger. Le Bénin entend jouer sa partition dans tous les accords signés dans ce cadre. La douane nigérienne ayant adressé une lettre à la douane béninoise pour la participation d'une délégation de cadres nigériens ensemble avec les cadres béninois aux opérations de chargement telles que prévues par les accords, nous avons donc décidé d'autoriser le chargement du premier navire qui mouille dans nos eaux, c'est-à-dire donc que le Bénin n'a aucune intention de nuire ni aux intérêts de l'État du Niger ni à ceux de notre partenaire commun, la CNPC, CNODC, maison mère de Wako. Toutefois, il est important de noter que cette autorisation ponctuelle et provisoire, telle que mentionnée dans la lettre de la douane nigérienne, ne saurait être érigée en règle de conduite pour l'exploitation normale du pipeline qui doit se faire dans un cadre normal de relations entre États. Aussi, vous annoncez qu'en vertu de l'article 21 et 22 de l'accord bilatéral et de l'article 10.4 de l'accord du gouvernement hôte, la société Wako a sollicité la tenue de la réunion du comité inter-État Bénin-Niger de pilotage du projet au fin d'examiner les sujets urgents liés à la bonne conduite des opérations d'exploitation du pipeline. Notre pays, le Bénin, a donné son accord pour la tenue de cette réunion du comité inter-État. Voilà donc, mesdames et messieurs, chers partenaires de la presse, les informations que j'ai voulu partager avec vous. Niger-Bénin et sont un projet commun entre les trois pays du Niger, le Niger, le Bénin et la Chine. Et les trois pays ont mis tout leur soutien et leur contribution pour la construction du pipeline. Et nous avons obtenu un résultat satisfaisant dans le processus de construction. Donc, tout au long du processus, je voudrais souligner que les trois parties ont coopéré. Nous sommes actuellement au stade de mise en production, de transport et d'exploitation du pétrole. Nous sommes sûrs et nous avons la conviction que ces pipelines vont devenir un symbole d'amitié et de développement grâce aux efforts conjugués des trois parties. Donc voilà tout ce que j'ai à dire. Je voudrais remercier tous les journalistes ici présents. Merci tout le monde. Merci. Chier. Bonjour.
Front souverain. Crise Bénin-Niger, notre deuxième billet. Le président Talon est véritablement machiavélique. Ne lui permettons pas d'enflammer les peuples du Bénin et ceux du Niger et pas surcroît la sous-région. Talon a déjà annoncé, et je cite, « Je suis venu pour compromettre la paix au Bénin pour longtemps. » Fin de citation. Ce sont ses propres mots. Allons-nous le laisser compromettre également la paix dans la sous-région? Le pétrole du pipeline est un moyen géostratégique de déstabilisation que Talon agite, non pas par hasard. Petit 1. Talon a déjà échoué à faire la guerre macronienne de la CEDEAO contre le Niger. Petit 2. Avec le chantage sur le pétrole du Niger, Talon trouve un autre moyen de pouvoir satisfaire Macron en attirant sur notre sous-région une guerre géostratégique très attendue par les Otaniens. Référez-vous au discours du général français Lecointre. Donc, une guerre géostratégique très attendue par les Otaniens pour perturber la Russie en Afrique. Et par la même occasion, freiner l'élan de souveraineté et d'émancipation des peuples africains. Pourquoi ? 1. Le Niger vient de chasser l'armée française et américaine de son territoire. Nous devons bien comprendre pourquoi. Pourquoi Talon agit ainsi ? Le Niger vient de chasser l'armée française et américaine de son territoire. Le Niger vient d'installer les coopérants de l'armée russe au cœur de sa question sécuritaire. Petit 3. Dans le sens inverse, Talon vient d'ouvrir au Bénin le bal de la nouvelle doctrine militaire française de base militaire non stationnée dans les pays, à savoir base militaire non permanente. Mais base militaire quand même. Petit 4. Dans ce nouvel ordre mondial en agitation, tout le monde sait la proximité de la Chine avec la Russie. Petit 5. Or, le pétrole du pipeline qui traverse le Bénin est celui des Chinois. Petit 6. En choisissant ce pétrole comme moyen de chantage sur le Niger, Talon tire sur la corde sensible des trois pays à la fois. France, Chine, Russie. Il espère ainsi insérer un conflit bénino-nigérien dans un imbroglio France-Chine-Russie. Petit 7. Si cet imbroglio clive suffisamment les populations et provoque éventuellement une guerre, Talon pourra en profiter par ailleurs pour se maintenir au pouvoir et faire un troisième mandat dans une confusion généralisée. La preuve, si c'est pour faire son mea culpa ou chercher des voies de négociation pour se faire pardonner les conséquences sur les peuples du Niger de la tragique fermeture des frontières par la CEDEAO, est-ce à un contrat international si bien ficelé que Talon devrait s'attaquer? Pire, le monde entier connaît la sensibilité géostratégique de ce produit qu'on appelle l'or noir. Mais c'est cela que Talon est allé dénicher
comme élément de chantage contre toute attente, contre toute règle préétablie et de façon abracadabrantesque comme à son habitude. Tandis que le poids des exportations de céréales et de produits vivriers du Bénin vers le Niger aurait été largement pesant dans une négociation fraternelle entre le Niger pour permettre la réouverture de sa frontière. Et cela n'aurait pas soulevé cette tollée mondiale comme le pétrole, un produit géostratégique avec tous les dangers qu'il charrie partout et à chaque fois. Si le président Talon est vraiment sincère dans sa démarche de recherche d'une solution à l'amiable avec le Niger, il doit ôter de la négociation avec le Niger le poids de la géostratégie, car celui-ci aura vite fait d'attirer des acteurs étrangers pour attiser la haine entre nos deux peuples frères du Bénin et du Niger. Talon doit lâcher le pétrole du pipeline Bénin-Niger. Je répète, Talon doit lâcher le pétrole du pipeline Bénin-Niger. Jomai Hakuru, porte-parole du Front Souverain, 14 mai 2024. Je vous remercie.